Yo les amis, je vous prends avant la vidéo, donc tout simplement pour vous dire merci parce que la série elle marche de ouf, ça vous a plu. Donc si vous souhaitez qu'on continue la série sur YouTube Top Faction, n'hésitez pas à liker sur cette vidéo. Les amis, j'ai lancé un petit défi, si on arrive à 200 likes sur la vidéo, j'enverrai un petit colis surprise au domicile de Xtampette. Donc c'est très simple, le colis c'est un tas de merde d'éléphants qu'on peut acheter et envoyer à des amis et des proches pour faire des petites blagues. Et évidemment, on fera tout ça après le confinement. Donc si tu veux nous suivre pour faire cette connerie, n'hésite pas à liker. Je vous envoie les coordonnées des coffres cachés. Voici ce qu'il y a à l'intérieur. Des clés avec une petite clé Chronos, c'est cadeau. Et des coffres avec de la merde à l'intérieur. Et en tout cas, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a quand même deux gros cadeaux à gagner sur le OP Faction. Très bonne vidéo à tous. Yo les amis, c'est Energy Kev. Après avoir fait plusieurs épisodes sur le serveur PvP Warcraft, je vous présente la PMTK. Quelques lapins. Quelques enfants et quelques darons. Salut la PMTK! Salut. Les mecs, ils étaient en train de tourner autour d'une fleur, frérot. Du coup, les amis, bienvenue sur la vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est le dernier épisode ou pas. Ça sera à vous de choisir. Du coup, les amis, aujourd'hui, c'est la faction PMTK qui est dans ce cinquième épisode sur les hop factions du serveur PvP Warcraft. C'est toujours le même. Donc, on va débuter cette vidéo directement avec la présentation du FO. Mais qui est-ce qui va parler pour présenter la faction? Allez-y, présentez-vous, s'il vous plaît. Vas-y, moi. Bon. Donc je m'appelle Tenza. Tenza, voilà, et ensuite nous allons avoir. Inuzik. Il s'est fait détruire ou c'est vous qui avez foutu un Non. peu le bordel? En fait, si tu veux, je t'explique. Fais slash nir. Slash Nier. Ouais. Il y a du monde. Il y a du En monde, fait, ce qui se exactement. passe, c'est que, comme je te dis, tu vois, nous on est léger. Tu vois, on a une base tranquille, on a fait notre FOM tranquille. Sauf qu'en fait, ici, c'est notre FOM. Et à côté, bah, j'ai une farm à golem. Tous rentrés dedans. Il n'y a plus les spawners. Ah Et d'accord, ici, donc en tu fait, t'es on s'est fait. jamais fait raid, on n'a jamais rien eu, mais on préfère déplacer. Libéré, délivré, je suis dans la PMTK. Donc les amis, bienvenue dans la farm de la PMTK. Donc en fait, on est dans le palais de la Reine des Neiges, clairement. C'est dans la farm à slime. Ils D'accord. suivent tous comme des lapins. Donc en fait, nos petits spawners à slime qui sont ici, bon, c'est quelque chose de basique. Je sais pas si. Ah non, c'était pour les magma cubes. Il y a un épisode, il donnait une technique pour pas avoir les petits magma cubes. Je sais pas si ça marche Ouais, pas mais ici. t'inquiète, je l'ai aussi, c'est easy. Donc Elle est en vraiment fait, pas ici, mal. bah voilà, c'est on a pour d'avoir 6 stacks de spawner à Et 6 slime. stacks de slime, c'est pas mal. Putain de merde. Ouais, c'est pas mal, hein. Donc votre économie elle tourne que sur le slime du coup? Non, non, tu Non. dois le tourner sur la globalité de tous nos spawners, qui sont le slime, le magma cube, l'iron golem. D'accord, donc là pour l'instant il n'y a qu'une mise en place des slimes ou il y a autre mob? Non, ici, t'as les... Donc ici, t'as les slimes. Ouais. Si je vais te montrer les magma cubes, bon, là, t'as les slimes, t'as les magmas, Ah j'en ai un peu c'est moins, je vraiment dois en stylé avoir deux votre farm, stacks. hein. J'aime bien votre farm, donc c'est vraiment bien séparé et puis c'est bien Ouais, décoré, c'est... c'est pas de la reine Je des dis, neiges quoi. tourne pas qu'on tourne des iron golems, des slimes ou des magmas, c'est vraiment... Non mais De c'est tout. vraiment, c'est bien d'avoir plusieurs mobs comme ça et... Ici, t'as l'optimisation, bah ici, pour les magmas, bah c'est ouais, pareil. D'accord, Donc en ok. fait, les magmas, c'est les petits qui ne donnent pas, donc il y a... Voilà, comme t'as déjà vu dans une vidéo, bon, il est pas fini. Normalement, les petits tombent ici, voilà, on s'en bat un peu les couilles. D'accord, ok, ouais, donc vous allez Et optimiser la farm des magma cubes, quoi. Ouais, là, Ok, ouais. moi j'ai jamais vu la technique pour les slimes. Ah, bah viens. C'est exactement pareil que les Attends, mais t'es magmas. où du coup? Je te montre, remonte à l'étage. Ici, tu vois, tu te les gros. Ouais. Les petits, en fait, ils se glitchent. Et viens. Ah, d'accord. Normalement, ils sont... Non, viens en bas, viens en bas, viens en bas. Normalement, ils sont censés Ah, en descendre. bas. Voilà, normalement, les petits, tu vois, ils sont censés être là dans le trou, là. Et après, tu les farmes, et vu qu'il n'y a que eux qui donnent Des boules. des boules, Ah, c'est beau. c'est Ça l'arrivée commence des à être Iron beau. Golems. Donc là, ici. C'est ici, il faut monter, c'est ça? Ouais, Putain, gros, je me perds dans votre base, elle est trop grande. Donc ici, c'est les Iron Golems. D'accord, ok. Putain, elle est vraiment énorme, votre J'en farm. ai. Je dois en avoir 900 là. Il y a 900 golems, putain de merde. Ouais, y en a. Mais non, mais c'est un Bon, truc de fou. Vous avez vraiment trois normalement. styles de farm dans une seule farm. C'est vraiment du génie, les gars. Vous allez cartonner. J'espère juste que vous allez pas vous faire défoncer. Parce qu'il y a pas mal de spawners quand même. Donc, du coup, les gars, est-ce que votre faction elle recrute ou pas? Est-ce qu'il y a une V2 de la PMTK ou pas du tout? Alors, pour le moment, nous recrutons sur cette version. Hein. Ça veut dire que la faction, ça fait pas longtemps qu'elle a été créée. Du coup, on essaie de se faire d'abord la version optimisée, clean, etc. avec nos membres. Et Ouais. puis éventuellement, nous aurons éventuellement peut-être une V2. Oui, on recrute toujours actuellement sur le serveur. On a des critères avec un âge respectif Et qui est c'est de quoi? 16 ans. C'est de 16 ans, d'accord, ok.
donc de saison, avoir un minimum un grade sur le serveur, ou voir peut-être nouveau, tout dépendant de la personne et caractère, etc. Et voilà. D'accord, ok. Donc toutes okay. les infos, de toute façon, vous les donnez sur votre Discord, que vous donnez en jeu, de toute façon, quand vous recrutez, je suppose. D'accord, d'accord. Et du coup, quelle faction vous détestez? Alors, si vous me sortez une faction que dans tout l'épisode a fait le tour du monde Minecraft, quelle faction, les gars, elle vous dégoûte le plus sur l'OP faction actuellement? Alors, pour ma part, je vais être cash avec toi. Sur l'OP faction, c'est des gens qui nous lâchent pas. Ils ont vraiment problème avec nous, malgré qu'ils aient mis à TP all tout le monde. C'est la V. Ah, pour putain, moi, je t'applaudis. Sinistral, bisous à vous, je pense à vous, la Sinistral qui était en sueur pendant cette vidéo. Non, c'est vraiment la vape. La Sinistral, jamais eu de problème. Pour moi, c'est pas des gens forcément cancer. Les gars, s'il revient et que c'est pas le chien d'Energie Cake qui a aboyé, c'est ma femme qui a te poussé. Oh le bâtard. Je suis mort. Tout le monde, je me TP à qui, à Jinza. Attends, N. Ouais, vas-y. Eh, je crois que c'était pas ton chien qui avait aboyé. Si, si, le mien va bruit. Ah, je sais pas, parce que ma femme a toussé, ça faisait le bruit de chien aussi. Oh putain. Oh putain, ça je vais le mettre dans la vidéo du coup. Oh merde. Donc là, on est devant l'AP de la PMTK, les amis. Donc la PMTK qui sont numéro 5 dans le F-top. Alors Tenza, explique-moi un petit peu à quoi il vous sert cet AP. Est-ce qu'il est rentable ou pas niveau stuff, PVP, argent? Niveau rentabilité, oui, toujours en fait. Ça veut dire que souvent sur le serveur, il n'y a jamais dû avoir un contrat, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, une fois qu'on est un peu en déficit de stuff, etc., vu qu'on aime bien quand même le drop, bah, du coup, on passe dans la trappe. Et ouais, souvent, il y a des gens qui nous suivent ou qui veulent jouer jusque la fin. Donc, ouais. Et niveau comment rentabilité, ça marche, ça l'est. Ah, vous, c'est sur les côtés, c'est vraiment stylé. Donc, admettons, le gars, il tombe et vous les poussez comme un peu le billard, quoi. Vous les tombez. Ouais, l'arc punch, tu le pousses dans le trou et puis. Et après, vous les cartonnez quoi? Ouais, après tu le farm ou tu vas en un contre lui, tu le pètes. Et... Votre AP il est situé où à peu près? Sud. Au sud, ouais. Plein sud. Oh, plein sud, ok, ok, ça marche. Merci à toi Tenza, merci à Ignozik. Pas de soucis. Yes. Et les amis, si vous souhaitez être recruté par la PMTK, n'hésitez pas à leur demander en jeu, ils seront contents de vous répondre. Bye bye! Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors c'est très simple, je vous offre 2 grades Chronos sur le OP faction. Les amis, c'est gratuit et c'est free et c'est rapide. C'est très simple. Pour gagner ces 2 grades, être abonné à la chaîne YouTube Energy Kev et un commentaire, voilà, un commentaire tout simplement. Il y aura 2 gagnants aléatoirement dans les commentaires. Donc les résultats sera affiché dans la prochaine vidéo. Donc vous savez très bien qu'il y aura bientôt une vidéo alors. Donc je vous annonce donc 2 grades Chronos à gagner. Être abonné à la chaîne YouTube et mettez un commentaire. Vous mettez ce que vous souhaitez, une dédicace, un message, le nom de votre faction. Vous mettez ce que vous souhaitez. Bref, par contre évitez de spam avec le même pseudo parce que c'est éliminatoire. Donc ça servirait à rien de commenter plusieurs fois. Vous allez être éliminé pour rien. Voilà. Merci en tout cas pour les 1500 subs. Bye bye.